Bonjour tout le monde, ici Envolement 89 avec Goldo Guigui. Salut Goldo. Bonsoir, salut à vous tous, chers viewers. Ici Gypsy Guigui, plus connu sous le nom de Goldo Guigui. Ouais, j'ai changé de skin, je suis passé mode Pacific Crime Voilà, au lieu du Michael Bay style. voilà, je fais le tour un peu de toi, voilà, pour montrer le skin. Donc on va faire une station-service, mon Goldo, c'est l'épisode 3 de The City, merde, je vais dire 3. Parce qu'on a fait 3 vidéos, oui, mais le premier épisode c'était 0, donc bon, voilà. Donc pardon. Alors moi je te propose de la faire juste là. Eh ben écoute, mon cher Envol, ça me convient. Alors ici, on va mettre les pompes, puisqu'à côté il y aura le bâtiment où on paye, et le bâtiment où on paye il est plus petit, donc ça va. Ça, on peut le compresser alors que les pompes il faut de la place. Déjà, faut faire l'accès. Donc, pour refaire là où il y a les voitures qui roulent, on va utiliser de l'argile durcie sciant. D'accord. L'argile de Ah voilà, j'ai trouvé. Voilà, donc là, on va commencer à faire station-service. Donc moi, perso, je fais la petite flèche, tu vois, à l'entrée. Donc il faut qu'on fasse tous les deux. Et toi, tu vas faire les pompes. Et je les fais en quoi les pompes justement? Ou alors non. En fait, tu vas faire la route, tu vas me bétonner un peu la zone, et moi, je vais faire les pompes. Alors les pompes, elles vont se situer ici. Alors pour cela, Argile durcissant. je vais utiliser du bloc de quartz. Voilà, tu me prolonges un peu l'entrée. Et je vais utiliser. Puis au pire, si t'as pas faire les conneries pour les routes, tu peux faire le bâtiment où on paye. Il va être là, le bâtiment où on paye. Tu vois une petite boutique, si tu veux. La route, je la fais tout droit. Pour l'instant, tu continues un peu tout droit, voilà, parce que je vais placer moi les pompes. Donc je vais faire les pompes avec bloc de quartz et barrière chaîne. Voilà, donc il faut du coup que je laisse un certain espace. Pas que la bagnole elle se raye. Voilà. Je veux parler d'un truc, Ouais, vas-y. ça rapport avec Minecraft, hein. Alors Il si faut vous que tu avez joué continues parce que il faut gagner du temps. au tout début, sur Viewer, donc je l'ai pas mis pour l'instant sur Google Plus, mais d'ici ce week-end ce sera mis, et ben c'est une idée du logo d'une de mes futures expos que je ferai sur Minecraft PS3. Golo, tu Voilà. t'amènes la route jusqu'au bout des poteaux et tu la prends ensuite par là parce que moi je vais faire le truc pour qu'on contourne Alors jusqu'au bout des les. poteaux, d'accord, jusque-là et Voilà. après. Tu t'en mets jusque-là, tu vois, tu mets partout là. Enfin, sur cette zone où il y a les poteaux, tu vois. La route. Tu D'accord, ok, bétonnes. j'ai compris. J'ai compris, Au mon cher pire, si t'as des Minecraft. doutes, je prolonge. Mais là, je fais quelque chose. Du coup, je suis en train de faire là, c'est les zones de circulation dans la station-service, tu vois. Voilà. Font tout partout par là. Alors vas-y, continue maintenant. Ce que Bah tu non, disais. c'est juste ça que je voulais dire. Ah, tu peux répéter, j'ai pas écouté en fait. Honnêtement, C'est ce j'ai. que j'ai fait sur, Ouais. la map. Bah, c'est une idée du logo de la future expo que je ferai sur Minecraft PS3, dont Ah. le nom je l'ai mis déjà sur Google+. Donc si vous voulez voir, vous tapez Go Kudai Goldo Guigui. Bon, Kudai, vous écrivez à la fin comme si c'était Dubaï, sauf que le D c'est un C. On est déjà à 4 minutes, Ego ok. comme voilà comme voilà le verbe en anglais. Et après si vous voulez ben sinon vous tapez pareil Go Cubain, mais ça vous tapez robot méca sur Minecraft. Alors méca vous écrivez M-E accent aigu C-C-H. Ah, si vous mettez pas le accent aigu sur E, c'est pas grave, mais moi j'ai écrit une version française, donc normalement ça s'écrit MEKA. Merci Goldo. Donc du coup nous sommes toujours sur l'épisode 2 donc. Là donc on fait là où vous faites le plein quoi honnêtement, voilà, c'est tout, c'est une petite station service qu'on va faire.
qu'il en faut une. Alors voilà. Ouais. Alors je vais Pour profiter faire juste deux marcher la secondes. colonne. Je vais montrer, je vais faire un peu le Attention tour. pour une magnifique carte. Je fais le petit tour de cette maison que j'ai montré en screenshot sur Google+. Enfin, uniquement en mode public, hein, donc ceux qui suivent pas notre profil, ils voient peut-être pas, voilà. Je vais montrer ça deux secondes. Si on a un peu de temps, je la ferai peut-être visiter dans le prochain épisode ou si j'ai un peu de temps à la fin. Mais voilà, je le montre quand même. Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps que je la visite. Je la montre quand même, hein. Pour ceux qui se demandaient ce que c'est, bah, c'est une maison que j'ai fait ce matin. Juste fait ce matin, voilà. En prolongeant les routes pour à l'endroit où il faut Quoi, faire la t'as fait une station-service. baraque? Ouais. Oh, putain. Il n'y a personne dedans, mais j'en ai fait une nouvelle ce matin. Voilà. Je me fais chier. Lionel, Oui. toi qui aimes bien le rallye, Ouais. bah genre, si y avait un mec sur Bonne Échelle qui avait fait la Volkswagen du championnat de rallye 2014, voire même celle de 2015, et ben pour moi, tu la téléchargerais volontiers, mon gars. J'ai vu un peu de tout, hein. J'ai vu des Skoda Fabia, j'ai vu des Citroën, j'ai un peu tout vu. À part Volkswagen, j'ai rien vu. Alors, Goldo, je vais te demander. Alors, ici, je vais faire une flèche pour indiquer la sortie. Et je vais te demander de, enfin, de mettre un peu de béton comme tu avais fait pour celle-là. Juste un peu Ouais. autour de la flèche. D'accord? Ouais, ça Mais marche. juste autour de la flèche, hein. Là, j'étais en train de finir quelque chose, mais je vais m'en charger. Vois? T'inquiète pas. Donc, tu mets un truc. Tu vois? Tu mets sur toute cette zone-là, tu mets du J'arrive. truc. Mais juste au bout de la. Tu t'arrêtes au bout de la flèche. Ouais, pas de problème. Voilà, peut-être pas la flèche, mais tu t'arrêtes où? C'est ma petite zone que j'ai délimitée, hein, par contre, tu vois. Bon, on peut parler d'un petit truc un peu plus, tu vois, pour Vas-y. les ouvreurs, Ouais, donc de parce toute façon, que. ils voient qu'on est en train de faire station Donc, service. si on fait on fera peut-être des choses différentes, chacun de son côté, d'ici les futurs épisodes de la saison 2 de The City, et ben, ce qu'on fera, donc, j'enverrai, ou on s'enverra du moins, ce qu'on a fait en Bluetooth à l'autre, et on vous montrera en gros ce qu'ils ont fait, vous verrez tout. Ouais, enfin, moi, c'est pas à peine parce que je t'envoie ou alors toi, je t'envoie juste pour ton plaisir personnel, puisque de toute façon, ils voient ce que je fais en vidéo Ouais, si bon, je le bah, montre. enfin bref, Mais dans ton cas, ça peut être vous utile. verrez du moins tout. Bah, tout ce qu'on fait, quoi, voilà. Exactement. Ce que je Et fais. on voudrait donc savoir si ça serait une bonne idée, des fois, comme ça, que chacun donne son avis sur les constructions de l'autre durant les épisodes. Voilà, on vous Voilà. pose la question à vous, chers viewers, chers abonnés. Mettez-le en commentaire si vous avez un avis sur ce sujet. Alors on se demande si on peut tous les deux commenter les constructions de l'un ou de l'autre. Attends, c'est bon, je vais prendre le relais maintenant sur Alors, cette partie-là. t'arrives vite cette nuit parce que j'avais commencé. D'accord. Voilà, comme ça, tu ne fais pas le boulot. Alors, je vais te demander de Oui. mettre ici, tu choisis une hauteur, tu vas faire le. Tu vois les panneaux où on indique les prix des carburants. Et tu Là-dessus? l'indiques, oui, et tu l'indiques avec des panneaux saucir. Tu mets une grande poutre, tu vois, Là où je en suis. quartz, oui. Ok, une grande poutre en quartz. Tu as mis, tu fais de plusieurs jets et tu mets des, enfin, tu mets des panneaux saucir avec les prix des carburants, tu vois. Voilà, c'est ce que je vais te demander. Enfin, je te laisse après pour tout ce qui est les prix de carburant. Voilà. Le temps que je fasse d'autres choses. Bon, je vais faire un truc un peu plus à l'américaine, mon gars. Comme ça, je te laisse choisir un peu puisque tu dois participer au Fait truc, ça hein. dans un film il y a une dizaine d'années. Là, vas-y alors. Je te fais confiance, hein. Un putain de truc américain, comme du genre comme Fast and Furious et Need for Speed, mais pas complètement. Voilà. Sauf qu'au moins, il y avait des Ferrari. Voilà, donc, alors, certains vont se demander. Alors, déjà, Ah, faut que tu me dises pas qu'il n'y a pas de place là pour voir les panneaux, hein, pour les mettre. Bah ouais, c'est bon, mais comme c'est des panneaux, ben t'avais pas besoin de faire aussi large, je pensais Non, c'est à deux. un truc américain Bah dans ce ouais, vas-y, cas-là. ok, ouais. Moi j'ai pensé à 3 de large au max, mais bon, je suis peut-être Oui, j'ai vu ça dans un je suis film. trop français, c'est peut-être pour ça. J'ai vu ça dans un film, mec. Ouais, bah vas-y alors.
Bah, ça fait bien, perso, je trouve. Après, c'est quand comment t'organises les panneaux après. Parce que ça peut être vachement bien comme ça. Quand comment t'organises le. Comment t'avais vu le truc, quoi. Ouais, je pense pas qu'on l'a vu de la même façon. C'est pour ça que je me pose des questions. Voilà. Vu comment tu es en train de faire la station service, ça ressemble exactement à la même station service où travaillait l'un des mecs du gang. Justement de ce film, et il avait vu une superbe Ford Mustang, tu vois, des années 70. Je sais pas si tu vois à quoi elle ressemble, celle des années 70, hein. Ben voilà, quoi, tu Ça vois, c'est encore. elles ont. Voilà, ça c'est déjà mieux comme ça. Elles ont une cellule, tiens, je te jure. Une petite place de parking ici. Voilà, je trouve que ça peut faire sympa. Alors ça prend forme, on est à 11 minutes. Donc voilà, on est à 11 minutes donc de vidéo. Voilà. Alors je vais mettre en pause le temps de faire le temps qu'on continue un peu, puis je vous montre la suite. Re les amis, donc désolé de cette petite pause. Donc on a comme on savait que ça allait prendre pas mal de temps, que c'était pas forcément le plus passionnant, ben on a fini la station-service. Voilà, et du coup on reprend pour vous montrer. Ben, Joël. Jolie, jolie l'idée que t'as eue, hein, juste, hein. Putain, les prix du carburant, c'est quoi? Le E10 2,70$, Le le gazole gazole. 2,10$. Ah non, 2,78$, excuse-moi pour E10, enfin ouais. Enfin, c'est équivalent de 2,20$, quoi. Sans plomb 95. 3,09$! Ah, le samplon, ça a toujours été cher. Ah, j'ai payé le 1,84 à Non mais le différence. 10 ça remplace le Ouais. samplon 98, hein. Ouais. J'ai pas l'un qu'à prendre à quoi. Ah, le 10, c'est le samplon 98 avec un peu de. Ah oui, Avec c'est un peu de biocarburant le là. nouveau nom. Ouais, non, mais c'est parce que en fait, ça nous rend parce qu'il y a un peu de plantes dedans. Tu vois? C'est un mélange de samplon Mais 98 crier et de biocarburant. scandale! Et Le de directeur de biocarburant. ces stations-service! Apparemment, ils ont un service clientèle. Vas-y, parle. C'est les gens. J'en quoi, j'en couille! Parce que je sais pas, t'as qu'à lui demander. Ouais, y a personne. Alors, vas-y, fais-toi plaisir. Tu sais, s'il y a des flics. Ouais, t'inquiète. De toute façon, Bonjour, le seul commissariat, il est encore en construction, alors. Ben, Jean. monsieur Jean Couillon. De toute façon, ça vaut même pas la peine que tu le respectes. T'es là pour l'insulter, alors tu l'appelles que Comment Jean. ça, hein? Il a porté réclamation. Pourquoi les prix des carburants sont si élevés? Oh, je te parle, espèce de fumier. Ah. Comment ça, hein? Toi, ça va vite, toi, hein? Tu vas. Sérieux, toi? On va Tête de aller laisser malade. discuter. Je reviens, hein. Ne bougez pas, je reviens. Je reviens, j'en ai pas pour longtemps. Ça va mal finir. Ouais, je sais qui c'était. On va mettre un panneau. Voilà, je mets un panneau stop. En fait, une pancarte aussi écrit stop. Voilà. Je veux pas être remboursé, c'est Et scandaleux. il est arrivé à quoi, Jean? Il est mort? Y a quelqu'un à l'appel qui l'a buté. Ah, t'as pas été remboursé? Bah tant pis, allez, on se casse, vas-y. Connard. Putain, je Eh, vais tu veux gueuler. visiter la nouvelle maison que j'ai faite? Parce que maintenant qu'on a fini la station-service, que vous pouvez Voilà, attends, je voir te suis. ici, voilà, elle est juste là, en fait. Ah, d'accord. Ouais. Merci.
Alors là, je te présente la piscine avec ses transats. Oui. En fait, honnêtement, j'ai vu ça dans une vidéo de quelqu'un d'un français qui présentait une maison, enfin, qui est beaucoup dans les constructions Minecraft, qui soit en fait, soit présente des constructions de Minecraft sur PC. Et honnêtement, je m'en suis inspiré pour le truc. Alors là, on rentre dans la maison. Bienvenue. Alors ici, il y a tout l'espace cuisine, salle à manger. T'as vu, donc c'est vaste, hein. Alors ici, t'as l'accès au garage. Comme tu vois, tu peux aller sur. Tu vois, t'as l'accès au garage. Bon, il n'y a pas de. La bagnole n'est pas fournie, hein, mais bon. Et. Bon, attends, je vais faire le tour. Heureux! Alors là, t'as la chambre. Attends. Et oh. Regarde, t'as le lit et tout. Et surtout, c'est par là que tu montes pour l'autre étage. Où t'as le salon. Avec. T'as vu? Ça fait stylé l'aquarium. Dommage qu'on n'ait pas sur. Enfin, que j'ai pas mis bloc launcher pour. Parce que déjà que la map est lourde, il faut éviter les soucis de performance. Parce que sinon, on aurait pu voir avec le shaders les trucs bouger. C'est stylé. Il n'y a pas un endroit pour faire sa crotte. Tu peux aller sur la route. J'ai pas encore raccordé. Là, je pose des questions, hein. Non, mais j'ai pas encore raccordé à ça en fait. J'ai pas. Je l'ai pas mis. Éteins! Éteins! Après, t'as le garage si tu veux, mais j'ai pas encore pensé à raccorder en fait. Ça, c'est pas encore raccordé, mec. Que je l'ai fait que ce matin, alors. Ça m'énerve, bon, j'arrive jamais à sortir de ces escaliers à la con, moi, sur PE. Sauf que c'est une échelle. Ah bah, une échelle, quoi. Putain, c'est quand même. Là, je montre au viewer. Donc là, on était en train de faire normalement les stations service. Donc on l'a fini, on va montrer. Mais putain, c'est quand même impressionnant. On a une vue de nuit là, c'est. C'est quand même impressionnant, moi, Oh, je je trouve. Hein. m'excuse, moi je vais à la plotte. Putain, je suis trop fier de ce que j'ai fait, perso. Oh putain! T'as vu, tu peux. Alors, mon logo, je bois d'ici! Ah, ça. Oui, et alors? Ah, rien, c'est tout. Heureusement, mais. Waouh! Heureusement qu'il n'y a pas des robots extraterrestres pour nous tomber sur la gueule. On est tranquille. Enfin, après, ils sont en pleine ville, quoi. Pourquoi je dis des conneries pareilles, moi? Putain, on a même une vue sur cette service. Imagine, mais Ouais, c'est je l'ai foutu con. juste à côté, ouais. Que j'ai un espace, mais j'ai pensé aussi à un autre endroit qui est pas loin pour le faire, tu vois, juste là-bas, à côté d'une autre maison que j'ai faite. Que j'avais déjà montré, que je vais remontrer. Voilà. Celle-là, là-bas. J'ai pensé à le faire à proxy aussi, de là-bas, mais je voulais le faire là, finalement. Parce que j'avais fait ces nouvelles routes et je voulais mettre des trucs. Tu vois. Pour densifier l'intérieur de la ville. Bon, bah, c'est la fin de la vidéo. Si ça te gêne pas, et puis on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao!